Quel suspense! Eh oui, bienvenue dans ce nouveau The Pick et Mosky. Aujourd'hui, on se fait un nouveau jeu, c'est un nouveau shmup. Enfin, nouveau, il date de 2000 ans, le petit pépère, quand même. Mais laissez-moi vous le présenter, ce sera peut-être plus explicite. Voilà Vassara qui arrive sur vos écrans, logiquement, si je ne fais pas mon faible démarrage de stream, qui est quand même sacré. Petite vérification dans le retour. Petit sourcil abaissé, l'air désespéré en se disant tiens, non, c'est bien fait, je confirme. Petit rush dans les options. Oui, est-ce que tu captures bien la bonne fenêtre? Non, c'est pas la bonne. Bah tiens, regarde, vas-y. Maintenant, ça devrait être bon. Allô, la régie? C'est bon maintenant? Je vais devoir quitter encore l'émulation. Et relancer le jeu. Donc, Vassara, tu vas te faire désirer, mais on y arrivera. Alors, on n'a pas streamé le 1, c'est ça qui est marrant, vous me direz. Pourquoi on n'a pas streamé le 1? Parce que j'ai pas réussi à mettre la main dessus hein, tout de suite. Alors, vous attendiez une grosse explication, je suis désolé. Non, je n'ai pas de grosse explication, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, sachant qu'en plus, je l'ai. Donc, c'est d'autant plus gênant. Mais bon, on est des petites choses, hein, c'est comme ça. Est-ce que je refais l'intro? Régie, je refais l'intro? Comment ça, il y a un bug sur l'écran, ça clignote? Non, c'est normal, c'est le jeu, ça. Pourquoi il y a eu le logo, le sieur? Ah bah ça, c'est... je sais pas. C'est pas moi qui les fabrique, ces choses, Henri, enfin... Eh oui. Donc regarde, regarde, regarde. Pas ça. Alors, cette technique, si je me rappelle bien, est une technique de shoot bien particulière. Car si c'est celle que je crois, normalement, on projette son esprit en avant. Et vous allez voir que remplacer la façon de fracasser l'ennemi avec son esprit. Ah non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Il y a une embrouille dans le genre, ça va me revenir. Alors attendez, attendez, attendez. De toute façon, normalement, il y a un petit tuto en démarrage. Mais si je me rappelle bien, il y a un coup fatal que vous pouvez faire à bout portant des ennemis, qui permet de scorer comme un gros cochon, avec une prise de risque quand même bien élevée. Mais normalement, il y a un bonus qui se détache et qui va faire les dégâts en avant. Ou alors, je confonds totalement. Ce qui peut arriver, parce que au bout de quelques centaines de rums éclusés, je vous garantis qu'il y a de quoi se mélanger les pinceaux. On va pas regarder l'intro une fois de plus, hein. On va foncer dedans, ce sera plus simple. Il y aura peut-être un petit bout de tuto au démarrage. Ouais, difficulté. Je vais prendre le rouge, je l'aime bien. Rappelle-moi les touches, man. Eh non, tu démarres direct. Ok, démerde-toi. Bon, ok. Alors, si je garde appuyé, non, rien. L'autre, ça va être quoi? Non, c'est rien. Bon, 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 j'ai dû rêver un tir alternatif. Alors, j'ai dû me mélanger avec un autre jeu qui, lui, est complètement... Alors, c'était le super coup de la mortitus, hein. Oui. Alors, c'est vrai que les tirs sont assez finaux. Et pour les vieux, c'est un petit peu difficile de passer au milieu, quoi, parce que rien, c'est compliqué. Tiens, dans ta gueule. Hop, 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 pardon, je suis désolé, mais j'ai fait exprès. Alors, avec des projectiles qui bougent à 2 km/h, forcément, se jeter dessus, c'est assez ridicule, je sais. Mais bon, il fallait que je le fasse. Parce que vous avez quand même là une belle démonstration de tout ce qu'il faut pas faire. Et j'aimerais bien que ça me revienne comment il fonctionnait, ce jeu. Parce que je me rappelle l'avoir parcouru en plus, c'est ça le pire. Alors c'était peut-être le premier, mais ça, le problème c'est que ça change pas le principe du gameplay qui est vachement similaire. Bonjour. Eh oui, non mais il y a un moment, stop. Eh oui. Donc je crois que je recharge ma jauge qui me permet de faire les combos à bout portant, en ramassant les petites saloperies qui se cassent la gueule là. Voilà. Et donc on baisse le jauge tout en haut, alors que moi je la cherche désespérément en bas de l'écran depuis le début. Elle a 3 niveaux, donc ce qui veut dire que je peux atteindre un jauge de un niveau de méga furie, quoi, genre le roi à l'ail ultime. Alors vous me direz, pourquoi parle-t-il de roi à l'ail dans un shmup? Ça c'est une chose que je détaillerai sur un blog cuisine et bricolage, qui ouvrira très bientôt d'ailleurs, dont je vous donnerai l'adresse, pour ne pas y aller.
Ça panique un peu, mais ça passe. Hein? Avec un petit peu de patience, là. Tiens, 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 tiens. Oh là 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 là, j'aurais pas dû faire ça. J'ai plus de bombes, j'ai plus rien. Je suis misère. Tiens, non, mais je te refinis, je te tue une deuxième fois. C'est offert par la maison. Donc là, si on traduisait ce qu'il y a sur l'écran, il marquerait « Tu as joué comme un dieu. » Tu es mort uniquement, je ne sais pas combien de fois d'ailleurs. Mais bon, quoi qu'il en soit, Vazara, c'est un très 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 bon shoot. Parce qu'il a une patte particulière avec ce Japon techno-samouraï robotisé qui fera jaser dans les chaumières et les autres résidences secondaires. Oui, je cherche des trucs à dire pour montrer de l'enthousiasme, mais en fait, vous savez ce qui me désespère le plus, les amis? C'est que ce soit moi qui sois mauvais sur ce stream, quoi, pas le jeu. Alors, toute impression de déjà vu avec le tableau précédent serait purement normale. Ouh, ce qui m'a mis dans la tronche. Moi, j'avais cru l'avoir détruit. Un peu prétentieux sur ce coup-là. Et en fait, non, le gars, il était tranquille, quoi. Il me fait... Non, là, tu m'as un peu sali le revers du blason, mais ça va bien. Il a un coup de fer, ça repart. Il va me faire la misère, là, je sens. En plus, les crétins, là, m'empêchent de tirer à travers. Ça va mal se passer. Bon, tu as... Ça suffit, hein? Assez joué avec la nourriture. Donne-moi le pauvre. Ah, j'ai un tir chargé. C'était donc ça dont je me rappelais plus. Je peux soit tenir le déclencher instantanément en montant ma jauge, soit essayer de le charger. Ça se continue, les enfants. Et oui, obligé de passer de la bombasse pour récupérer juste des bonus. Merde, je me mets sous une bombe. Donne-moi ce bonus. Donc, Vassara 2 est dans les validés, hein, parce que le Vassara 1, de toute manière, je le connais mieux, et je l'ai déjà streamé, il me semble, je sais pas, c'est Alzheimer, ça. Et donc, il est dans les validés. Maintenant, il ne tient qu'à vous, c'est une question de goût, de le mettre dans votre top. Moi, je le recommanderais dans un top, ça fait pas tâche. Mais c'est perso, on peut ne pas aimer son fond gameplay qui est un petit peu space par rapport à ce qu'on connaît. Et qui est foutu de manière à me faire rater tous les bonus, parce qu'il y a tellement de bubbles à l'écran que on ne s'y retrouve plus, on ne peut pas rattraper les bonus sans bomber. Merde, je me mets sur une bombe. Aïe 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 aïe. Alors toi, je me rappelle que tu m'as fait une blague tout à l'heure. J'ai retenu à peu près la leçon. Les bonus, les gars, je veux des bonus, j'adore les bonus. Je te sens pas, toi. Oh putain. La misère. Donc il y a beaucoup de mémorisation quand même, de rien dans celui-là. Hein.
J'emmène pas large. Oh, le fumier. Oh, mais. Flûte! Non! Le coup de lance dans la gueule, non, mais c'était juste une porcherie, quoi. Allez, du pattern bien, bien perle. Hein. Genre, le gentil papillon, vous pouvez faire une croix dessus. Hein. C'est plutôt le papillon qui va vous démonter le. Ben, faites rimer avec. Ah, non, mais là, là, c'est juste honteux. Moi, ce que je vais vous recommander sur ce stream, alors, au-delà de savoir si, au-delà du valider, vous le sélectionnez dans votre top, c'est de regarder juste après un super play sur Vassara 2. Et vous allez pouvoir y découvrir des choses super intéressantes. Moi, je vous fais juste découvrir le jeu en surface. Allez, je me laisse crever et puis on arrête pour aujourd'hui avec ce très sympatoche jeu, mais d'une difficulté quand même qui le réserve à un public averti, on va dire. Ou alors un public qui aime bien s'en prendre plein la tronche. Oh. Pardon, 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 je passe, et oui, ça arrive. Hop, 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 non, je passe plus là. Surtout, bien désinfecter l'écran parce qu'il y a moyen que ce soit la panique, comme vous voyez. Les gars, ils s'installent, et en fait, en plus de s'installer, ils prennent toute la couette, quoi. Donc, c'est assez pénible de passer au milieu de ce merdier sans nom. Facile, enfin, un nom, bah, ça radio. On ne continue pas, les gars. Allez, avance. Vais-je avoir un signe honneur de marquer mon nom alors que je n'ai même pas scoré? C'est très bien comme ça. Oui, ça veut, beaucoup de joueurs comme ça s'appellent comme ça au Japon. C'est une coutume. C'est un petit peu comme le A en Europe, quoi. Merci d'avoir regardé le stream, je vous fais des bisous et je vous dis à demain 19h pour une nouvelle petite victime qui va passer sous mon pad, qui sera probablement un shmup ou va savoir une nouveauté, une nouveauté, une nouveauté. Trop bien fait l'effet spécial.